Salut tout le monde, ici Willow, alors bienvenue dans une autre vidéo. Alors aujourd'hui gang, c'est une vidéo très 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 spéciale et comptez-vous chanceux de cette vidéo-là parce que je vous montre un peu mes affaires personnelles. En fait, c'est une pièce très personnelle à moi tout seul que j'ai pas toujours tendance à vous présenter puis qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui surtout ne présentent pas leurs pièces. Fait que je vous le dis tout de suite, c'est quelle pièce? C'est ma chambre. Oui, c'est très personnel. Il y a beaucoup de choses qui sont personnelles mais que je ne vais pas tout vous montrer. Mais vous allez en avoir une bonne partie de ma chambre. Elle est quand même petite, on se le cachera pas. Mais le problème, en fait, c'est que je suis bien dans ça. C'est pas vraiment un problème. Mais c'est juste d'un côté, je suis très bien dans une petite pièce comme ça. Par contre, il y a des. Là, je vous avertis que je ne ferai pas le room tour de la maison au complet. Elle est assez grande. Et également, il y a beaucoup plus de pièces qui est aussi grande que ma chambre. Fait que vraiment, il y a beaucoup de pièces. Autre pièce, et voilà, qui est plus grande que ma chambre. Fait que ça, je vous le présenterai pas parce que c'est personnel, c'est comme plus ma chambre, la chambre de mon père et la chambre de mon frère. Mais là, sans plus tarder, on va commencer le room tour de ma chambre. Je pense que vous avez hâte, hein? La personne m'avait demandé de faire un room tour, mais moi, ça fait un immense plaisir. Vraiment, ben là, ça se peut aussi que je bafouille dans mes mots, là, hein? Ça se peut là, aussi parce que je vais vous expliquer une petite anecdote avant de commencer. Parce que je suis juste en avant de ma chambre. En fait, je me levais à 4h du matin parce que je m'endormais plus. Je n'étais plus capable de me coucher puis prendre les choses. J'étais plus fatigué en fait. On va dire ça de même. C'est un peu plate d'un côté, mais d'un autre côté, vous avez pu voir une vidéo assez de bonne heure qui est super fun à regarder. C'est les bloopers du film La guerre de voyons, les Avengers, la guerre de l'infini. Voilà. Fait que c'est sûr, d'un côté, c'est plus fun d'avoir une vidéo qui est assez de bonne heure et qui est déjà mise. Alors là, je parle trop. Je parle trop, ça fait déjà 2 minutes. Alors, je suis déjà devant ma chambre. On va rentrer. Oh, j'ai déjà mis mon pied dans la chambre. Ouh! C'est qui ce beau bonhomme-là? Ben, c'est moi. Si vous l'avez pas deviné. Alors, c'est moi. Et oui, mes amis. C'est une photo que je. Tu sais, dans les écoles, là, chaque année, on prend une photo avec le groupe et les seuls, là. C'était ma photo seule, puis ça, c'est. Je pense que j'étais à l'Aubier. Parce que oui, j'ai été à l'Aubier, là, quelques années. Je me rappelle plus il y a combien d'années, mais bref, ça, c'est une photo que j'ai prise à l'Aubier. Elle est super bonne. J'en ai encore qui sont encore plus meilleures. Ouais, c'est normal. Alors, on va commencer. Je retourne la caméra. Je pense que ça serait mieux de même. Je retourne la caméra pour vous voyez mieux en 360 ma chambre au complet. Alors, on se retrouve très bientôt. À tantôt. Alors, je vous ai mis devant ma chambre. Alors, on va repartir d'ici à zéro. Alors, vous avez pu voir le cadre de moi. Il est super beau. Également, on a un petit meuble ici avec une petite déco. Il est très coloré. Alors, c'est un petit meuble de coin qui peut aller n'importe quel coin. On l'avait pris chez IKEA. On l'avait trouvé beau, puis on l'a acheté pour ma chambre. Avec une petite déco, un petit. Ça, c'est un art plastique. J'avais fait ça à l'aubier également. Un genre de cochon. C'est fait à partir d'une ballonne. On l'a pété en dedans, puis ça nous a fait un moule. On l'a décoré un peu plus. Également, bon, une petite lampe multicolore. Je vais vous allumer pour vous le montrer. Là. Ouais, il y a cassé en dessous, c'est pas grave. Peu importe, ça fait une lampe pareille. On l'a voir. Ah, et voilà. Je sais pas si vous arrivez bien à le voir. Là. Et ça change beaucoup de couleurs. Attends, je vais éteindre les lumières. Ah oui. Là, on les voit plus, ces couleurs. C'est magnifique. Et j'ai une petite manette. La manette sert à quoi? Je vous le montre immédiatement. Eh bien, c'est pour mon petit foyer. Parce que avec ce foyer-là, je peux mettre soit la chaleur, de la chaleur, en fait, c'est pas. C'est mieux de dire ça de même. Et ou soit du froid. Tu sais, température avec ton site, là. Je peux même changer le format de flamme. Je peux changer les couleurs d'en bas ici, là. Ici. Puis les flammes de couleurs. Fait que vraiment, ça fait un beau petit foyer. Ça, c'est tout du stainless. Également, j'ai un autre téléphone. Oui, parce que là, je tourne en ce moment avec mon téléphone personnel qui est pratiquement neuf. Et lui, ça, c'est l'ancien. Mais j'en ai deux, en fait. J'en ai deux. Ça dérange pas. Également, j'ai un tas de fils. Là. Ça, c'est tous mes fils de recharge pour mon iPad et mon cellulaire. Parce que oui, j'ai un iPad. Ouais, ça, c'était pas pour me vanter, c'est juste pour vous le montrer. C'est un room tour, ça fait partie du room tour, hein? N'est-ce pas? Ici, j'ai présentement, mais à côté de ma télé, j'ai des crayons. Une petite chandelle que mon frère a fabriquée. Une lampe de nuit, en fait, de bureau, bref.
une étoile de star. En fait, là, ça me fait une déco. Ça me fait une petite déco en or dans ma chambre. Un petit porte-clés coquillage. Un magnifique tableau avec également un crayon expo. Et un gomme effacé, en fait, pour le tableau blanc expo. C'est la même marque, en fait. J'ai mes 4 trophées, parce que là, ça paraît pas, mais j'en ai 2 ici. Puis un autre ici en arrière. Oup. Je vais essayer de faire ça pour pas les briser. Bon, ok. Je mets ça droite, tu sais, sur le coin ici de la lampe, là, c'est bien sur le coin. Vraiment, tout est sur le coin. Moi, ça, c'est mon autre trépied. Mon autre trépied qui va super loin. Également, on va poursuivre avec les cordes. Oui, on a des cordes. En fait, j'ai des cordes, ça se dit pas de même. J'ai un cordes que c'est l'employé du mois de septembre. Il était marqué en gros juste ici, puis je le voyais pas. Également, j'ai une autre. Ben, ça, c'est du McDo, j'ai oublié de préciser. Et en dessous, juste en dessous du cordes de McDo, ben, c'est un autre diplôme. Ça, c'est le diplôme que j'avais à l'oublier. En fait, c'est pas des trophées comme au CFR, mais bien, c'est des diplômes qui appellent ça des trophées, mais en carton. Mais bref, c'est pas mon favori, mais ça fait toujours plaisir. Et également, on va pas terminer tout à fait avec ça, mais ça, c'est mon lit. Escamotable, en fait, ça, c'est ce que ça veut dire, escamotable, c'est que ça rentre dans le mur. En fait, t'as un crochet, là, pour que tu fermes le lit, là. Mais t'as un crochet. Tu l'attaches. Puis, ben, ça rentre dans le mur. Et moi, c'est un lit double. C'est pour ça que ça prend autant de place que ça. Mais même avec un lit simple, ça prendrait de la place, mais bref. Mais, juste vous dire, qu'est-ce que ça sert avec ça? Ben, c'est que quand tu lèves le lit, ben en fait, ça te fait énormément de place à ta chambre. Fait que c'est comme si tu aurais une armoire sur ton mur, mais tu n'aurais pas de lit. Ça serait un peu fucking bizarre, mais bref, c'est mieux de même. Et mon père, il avait fait une petite déco. Il m'avait mis ça beau quand même, avec un beau rideau blanc. Puis deux petits points là, qu'on peut voir là, ici. Là, puis ici, ça, c'est des lumières. Je vous admets ça. Il y a un switch et juste caché ici. Et voilà. Et voilà. J'ai des lumières dans ma chambre, au-dessus de mon lit. Ça, c'est pas inclus quand t'achètes le lit à Escamotable. En fait, c'est presque 2000$ dépassé et plus pour avoir un lit de même. Ça, c'est à part du matelas. Puis ça, c'est à part aussi pour les décos que tu veux racheter. Tu sais, le rideau puis les lumières, ça venait pas avec, là. Oubliez ça, là. Vraiment, ça, c'est tout mon père qui a racheté ça, puis a acheté ça, en fait. Puis, ben, qui m'a installé ça, bref. Et voilà, mes oreillers, j'en ai une bonne paire. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sixième, c'était la petite blanche, mais bref. On va refermer ça. Donc. Bon, ici, j'ai... Bon, ici, c'est tous mes petits trucs. Mais après, j'avais fait la vidéo avec ma paire d'écouteurs Bluetooth. Là. Vraiment sûr d'affaires. Également, j'ai d'autres choses ici, je pense. Ouais, ici, j'ai tout le pain et le mail de toutes les sortes d'affaires. Là. J'ai des Strouves en collection. Ça vaut cher. Tu sais, McDo, là, quand elle a sorti du film Les Strouves, ben, il y avait des petites figurines de même qui mettaient ça au jeu de festin pour McDo. Puis j'en avais tout récupéré. J'ai toutes les deux collections. Le film 1 des Strouves et le film 2 des Strouves. J'ai toute la collection. Également, j'ai toutes sortes d'affaires. Là. Ça sert à rien de tout sortir ça. Là, mais plein d'affaires très intéressantes. Également, j'ai d'autres choses en bas. Également, ici, c'est tout du pain de mail. Il y a pas, y a beaucoup d'affaires. Hein. Ah, ici, c'est tout des livres, des records Guinness en dessous, toute la collection. Alors, on va aller faire la finale de la vidéo dans mon salon. C'est parti. Alors, je vous ai montré là, en fait, la chambre en entier. Vraiment, j'espère que ça vous aura plu. Sincèrement, moi, ça m'a plu pour vous montrer mon petit secret. Là, on ne juge pas trop mes affaires dans ma chambre, s'il vous plaît, en commentaire. On reste poli. Voilà. Mais bref, j'espère que vous l'avez apprécié. Si oui. N'hésitez pas à mettre un beau like. Abonnez-vous pour ne rien manquer mes autres prochaines vidéos, bien sûr, et partagez en grand nombre. Et voilà, cette vidéo. Et sinon, on se laisse pour notre prochaine vidéo, tout le monde. Bye bye! Bye bye! Oh! Oh, qu'on est bien! Oh, on est foutrement bien! Bye!